Le grand voyage des petites souris, une histoire de Malika Doré. Il était un souriceau qui voulait rester au chaud et deux autres petites souris qui voulaient voir du pays. Elles prirent donc un crocodile qui leur permit de quitter l'île. Le voyage avait commencé, le souriceau devait beaucoup s'ennuyer. Vite, il fallait absolument lui téléphoner. Tut, tut. Et chez le souriceau, tring. Allô, allô souriceau, tout ici est tellement beau. La forêt est magnifique et les oiseaux fantastiques. Chère souris, j'en suis ravie, mais je suis très bien ici. Oui, on est très bien ici. Souriceau, si tu savais, les singes dansent de tous côtés et les oiseaux enjoués n'arrêtent pas de chanter. Pili, 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 pili. Chère souris, inutile d'insister. Ici, je suis très occupée. C'est vrai ça, ici on est débordé. Souriceau, à présent, nous voici sur des vagues absolument mémorables. Et maintenant, nous entrons dans une clairière tout bonnement extraordinaire. Mais chut, car nous allons arriver dans un endroit tout à fait secret. Dans un endroit secret ?